Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé, un pas vers votre bien-être. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très populaire, c'est-à-dire la perte de poids. Il y a beaucoup de mythes qui circulent au sujet de la meilleure façon de perdre du poids. Parce qu'on peut, oui, perdre du poids, mais pas nécessairement de la bonne manière. Ce qui est très important à considérer, c'est qu'il faut pas seulement le perdre, mais il faut réellement se maintenir. Alors ça, c'est super important. Alors, il y a trois façons, trois méthodes à utiliser qu'on va discuter. Il y a l'entraînement cardiovasculaire, l'entraînement en musculation et l'alimentation. Bien entendu, les trois doivent être combinés ensemble, mais il y en a des priorités là-dessus. Le plus important, c'est réellement l'alimentation. C'est avec ça qu'il faut débuter. Parce qu'on peut pratiquer l'entraînement pendant des heures et des heures à chaque semaine, mais si on n'a pas ajusté notre alimentation, on va avoir aucun résultat. Par contre, l'inverse est différent. On peut réussir à perdre du poids si on adapte bien notre alimentation sans faire aucun exercice. Ça, c'est très important de comprendre ça. Alors, priorité numéro un, il faut changer nos habitudes alimentaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre un régime strict, pas du tout. Le problème avec un régime, c'est qu'on perd du poids. Tout le monde perd avec un régime. On va atteindre l'objectif fixé, sauf que on a tendance à relâcher une fois l'objectif atteint et automatiquement on reprend le poids parce qu'on est revenu à nos vieilles habitudes. Alors ce qu'il faut faire, c'est, on appelle ça une rééducation alimentaire. On change nos habitudes, on prend les bons aliments au bon moment, en bonne quantité, mais il n'y a jamais de fin à ça. C'est une habitude qu'on garde le reste de notre vie. Alors, ça, c'est pour l'alimentation. Maintenant, au niveau de l'entraînement, la majorité des gens pensent que l'entraînement cardiovasculaire est supérieur à la musculation pour perdre du gras, et c'est faux. Priorité, musculation. Pour quelle raison? C'est qu'il faut stimuler la masse musculaire, non pas pour devenir nécessairement plus gros, mais plutôt pour avoir un meilleur tonus. Et il ne faut pas oublier que le muscle, c'est comme une fournaise. C'est lui qui brûle le gras. Alors, plus on va stimuler, plus on va chauffer la fournaise, plus on va brûler du gras. Aussi, les personnes qui sont un peu plus âgées, bien, les muscles se dégradent avec les années. Ça veut dire qu'à chaque année, on perd quelques livres ou quelques onces de muscle, qui fait qu'au bout de 15-20 ans, eh bien, on peut avoir perdu 5 à 10 livres de masse musculaire. Ce qui occasionne qu'on va être porté à gagner plus de gras, à prendre plus de gras. Alors, la musculation, avec un programme bien structuré, bien fait, va être la meilleure activité physique pour brûler du gras. Le cardio n'est pas à négliger non plus. Par contre, il y a différentes sortes d'entraînement cardiovasculaire. Normalement, les gens pensent qu'il faut qu'ils fassent pendant 35, 40, 50 minutes, jusqu'à une heure de cardio pratiquement tous les jours pour avoir les résultats. Bien, c'est justement le contraire qu'il faut faire. Ce n'est pas la durée, mais c'est l'intensité. Ce que je suggère, après une séance de musculation d'environ 40-45 minutes, on devrait faire une séance de maximum 20 minutes de cardio, mais avec des intervalles. Ça veut dire qu'il faut, pendant une période, on donne un exemple, pendant une minute ou deux, on augmente l'intensité pour augmenter les pulsations jusqu'à 85 % de notre niveau. Et après ça, on fait genre une minute avec un ralentissement de notre rythme cardiaque pour qu'il revienne à un niveau de récupération. Alors, on fait des sprints, on fait de la marche, un exemple, on fait des sprints, on fait de la marche. De plus en plus aujourd'hui, l'entraînement cardiovasculaire se fait par les exercices de musculation, mais en circuit.
Et effectivement, c'est supérieur ça que de faire du cardio sur les appareils conventionnels. La raison, c'est que en plus d'augmenter notre rythme cardiaque, ça va stimuler la masse musculaire en plus. Alors, on va brûler encore plus de gras et on ne occasionne pas de fatigue sur notre système nerveux. Quand on pratique le cardio pendant des heures, automatiquement, on va taxer notre système nerveux, qui fait qu'il y a une possibilité de devenir dans la phase qu'on appelle le surentraînement. En plus que ça demande beaucoup de temps, c'est que ça occasionne beaucoup de fatigue. Il faut réussir à s'entraîner d'une façon efficace, mais sans occasionner de fatigue. C'est pour ça que l'alimentation est en premier, un entraînement musculaire de 40-45 minutes, suivi d'un cardio en intervalle d'environ 20 minutes par jour, ce qui fait maximum 1h10-1h15 par jour d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles au niveau de la perte de poids. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé, un pas vers votre bien-être.